peux plus, quoi. T'es en pleine panne d'inspiration. Syndrome de page blanche, quoi. Habituellement, j'écris mes films comme ça, quoi. Paf, 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 mais là, plus rien. Syndrome de page blanche, ça se dit, ça, pour un réalisateur? On s'en fout. Avant d'être réalisateur, je suis écrivain. C'est moi qui écris mes films. Oui, mais attends. Écrire un synopsis, un scénario, ça n'a rien à voir avec écrire un roman. On est d'accord. Ça reste de l'écriture. Mais le romancier, il écrit avec des mots. Toi, tes mots, c'est les acteurs, c'est les décors, c'est la lumière. Ouais, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer dans le cinéma? Pourquoi t'as choisi d'écrire pour le grand écran et pas pour un bouquin? C'est justement ça que j'aime là-dedans. Quand tu fais du cinéma, tu passes par plein d'arts différents, tous au service d'une seule et même œuvre, ton film. Et quand il est projeté, c'est ça qui est encore le plus fou. Quand il est projeté devant les spectateurs, en une seconde, ils sont censés accepter une réalité qui n'est pas la leur. De plonger dans une réalité qu'ils sont obligés d'accepter quoi qu'il arrive. C'est un peu comme un concert. En fait, c'est comme du théâtre. Pas si éloigné, en tout cas. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Le théâtre et le cinéma, c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, le cinéma, ce qui marche, c'est les scènes de rencontre. Le théâtre, c'est les scènes de rupture. Ou les conflits. Voilà, les conflits. Et puis le cinéma, c'est un radin. Tu vois, il cache ce que t'as besoin de savoir. Tu vois, quand c'est bien fait, eh ben, c'est pas sur l'écran. C'est là. Je suis pas complètement d'accord. À l'époque, ouais, mais plus maintenant. Maintenant, le spectateur, il en prend plein la gueule. Les effets spéciaux, couleurs, le son. Tout ça, ça a pris une place. Ça a rendu le cinéma beaucoup plus distrayant. Ouais, c'est beaucoup moins cérébral. C'est quand même grâce au son que le silence a pris une place démesurée. Tu vois, et puis tu me parles d'effets spéciaux, mais tout ça était déjà là, ça n'a rien bousculé. Depuis le départ. C'est juste que c'est différent maintenant. Et puis le plus bel effet du cinéma, c'est le cinéma lui-même. Tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Ce qui est complètement dingue, c'est le tournage en lui-même. C'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu te fous littéralement de la gueule du spectateur. Enfin, tu te fous de sa gueule, mais avec respect. C'est une sorte de manipulation un peu positive, quoi. C'est du marionnettisme. Enfin. Ouais, de toute façon, moi je suis bon pour écrire, je sais pas, des séries, pour la télé. Voire même des web-séries. J'espère que c'est une blague, là. Non, pourquoi pas. Parce que le cinéma et la télé, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes recherches, c'est pas les mêmes buts. Tu vois, la télé, tout ce qu'elle veut, c'est te prendre pour un con. C'est que tu restes dans ton canapé, devant ton petit écran. Elle veut pas te bousculer, hein, surtout pas, non. Alors que le cinéma, déjà y aller, c'est une aventure. Bon, c'est vrai que je te le concède, y a pas mal de gens qui vont au cinéma pour la sauce fromage et les nachos, mais... Mais blague à part, quand tu vas au cinéma, c'est parce que tu cherches quelque chose. Tu cherches l'angoisse, tu cherches à être ému, tu cherches à être choqué. Ça te donne un point de vue, une réflexion sur le monde, la vie, les amis, l'amour. Tu vois, t'as la possibilité de te créer une réalité alternative à l'impact inimaginable. Une réalité presque aussi réelle que la nôtre au final. Pourquoi tu m'as pris? Mais tu ne comprends pas, Luc. C'est que je te dirai jamais, même si je devrais te dire. Je suis ton père. Vas-y, fume-le, putain! Quand tu vas au cinéma, c'est parce que tu cherches quelque chose. C'est quoi ça? Vas-y, fume-le, putain! Je t'ai vu tout à l'heure m'embrasser à la fenêtre.
Je sais. Je veux juste simplement que l'on parle un peu, toi et moi. Ça fait si longtemps. Pourquoi tu m'as plus? C'est la vie. Si longtemps, mais vous êtes complètement cinglé quand mon père saura ça. Pourquoi tu m'as plus? Mais tu ne comprends pas, Luc. Ça, je te dirai jamais, même si je devais mourir. Je suis ton père. J'ai décidé de raconter l'histoire d'un réalisateur qui n'a plus d'idée. Je m'attendais à avoir une impression de déjà vu, mais là... c'est bien plus que ça. C'est pourtant bien moi qui viens de l'écrire. Enfin, je crois.